Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau numéro de Playen sur Puissance Nintendo. Salut messieurs, comment ça va? Bonjour. Ça va Martin? Il est en forme, hein, il est heureux. Respire. Oui, ça va. Ouais. Tu vas rendre tes spaghettis après. Bienvenue sur ce numéro de Playen, hein, nouveau numéro rétro de cette saison 2, le troisième, hein, si mes souvenirs sont bons. Et on va changer encore un peu de console, on a déjà fait un peu de GameCube, un peu de NES, on va passer à la Game Boy Advance avec un jeu qui tient tout particulièrement à cœur à Valentin, c'est la saga Advance Wars. Qu'est-ce que représente cette série pour toi, Advance Wars? C'est un jeu de stratégie qu'on n'a pas vu depuis un certain temps sur console Nintendo et que j'aime bien passer l'été à jouer dessus, c'est très sympa. C'est vrai que c'est très prenant, c'est dur, c'est long, c'est très long. C'est vraiment des super jeux. Et bien on va la présenter tout de suite, on va jouer à Advance Wars 2 sur Game Boy Advance, sorti en 2004 si mes souvenirs sont bons. 2003 au Japon, si on est un peu plus précis d'ailleurs. Ouais. Allez, c'est tout de suite après ça, après le générique, vous commencez à avoir l'habitude, c'est après ça. Allez, on est parti donc pour ce jeu, Valentin, que tu vas nous présenter. Donc c'est Advance Wars 2. On va jouer un peu, on va continuer un peu ta partie. Hein, Hein, on va aller sur le champ de bataille. D'ailleurs, tu vas peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a comme mode de jeu. Présente-nous un peu les modes de jeu qui sont un peu des modes de jeu classiques pour l'Advance Wars. On les retrouve généralement tous. Alors il y a le mode campagne classique. Long. Histoire, long. Permet de t'apprendre à jouer aussi. Oui, au début, ouais. Après il y a le mode versus pour jouer à plusieurs. Il y a un mode pour créer des cartes qui est très complet, on peut faire n'importe quel map. Ah, ça j'y jouais avec un pote Damien, si tu nous regardes. on se faisait ça, on se faisait des maps de malades mentaux avec 14 milliards d'armes, etc. On mettait 15 jours pour faire un tour cette. Après il y a le mode ligne pour jouer à plusieurs. On peut jouer d'ailleurs à plusieurs sur une seule cartouche. Et la zone carte, ça c'est une boutique. Et le champ de bataille, c'est affronter la console. Quoi. Voilà. Ben, moi je te propose qu'on continue ta campagne et tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un peu. Qu'est-ce que Advance Wars et comment la série a-t-elle évolué depuis sa création? Déjà, on peut peut-être déjà dire qu'il y en a eu avant qu'on en connaisse. Oui, avant que ça sorte en Europe, c'est sorti en premier lieu, il me semble, sur Famicom. Voilà, Famicom Wars. Puis après, c'est arrivé plusieurs fois sur Game Boy, il y en a eu deux ou trois. C'est ça. Et après, c'est enfin arrivé chez nous, quelques années plus tard quand même, en Europe, sur Game Boy Advance. Et je peux savoir ce que tu fais? Je me balade sur la map du jeu, voilà. D'accord, c'est la map. Voilà. Donc on va faire une mission. Hop là, vas-y, on prend celle-là. Monsieur est petit joueur, hein. Tu auras remarqué ça, Xavier. Mais le jeu, là je suis à un endroit du jeu où ça commence à être difficile, donc... Alors peut-être que tu peux nous rappeler un peu l'histoire du jeu. Alors l'histoire du jeu, là en fait, il y a quatre nations plus puissantes sur Orange Star, donc c'est... j'ai oublié le nom de la planète, donc bref. Il y a Orange Star, Blue Moon, Yellow Comet et Green Earth. Dans le premier volet de la série qui est sorti chez nous, ils se battent tous ensemble. Et là, cette fois, ils s'associent pour combattre un autre ennemi qui s'appelle Black Hole. D'accord. Voilà. D'accord, donc en gros, c'était les ceux qui s'affrontaient les années d'autres dans le premier. Voilà, ils se sont associés. Qui s'associent pour pouvoir se battre, exactement. Voilà. Sensei, reviens! Homeshit, tu viens ici. Bon alors, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer maintenant les principes de gameplay. Donc tu me dis c'est de STR au tour par tour. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu plus intéressant justement, puisque en fait tu as une notion évolutive à chaque fois que tu joues en fait. Tout à fait, ouais. En fonction du nombre de villes que tu captures, tu gagnes plus de fonds, et après tu peux avoir de nouvelles unités, etc. Alors, ouais, c'est un peu ce que tu fais dans les STR tactiques, sauf que là il y a vraiment le côté stratégique qui est vraiment fabuleux pour une Game Boy quoi au final. Hein. Et pour une NES, c'était déjà comme ça à l'époque. Tu peux voir, donc là, il commence avec 4 villes de capturer, voilà. Il va pouvoir avancer. Voilà. Sachant que là, tu vois pas les ennemis, parce qu'il est dans ce qu'on appelle le brouillard de guerre. Voilà, c'est ça. Là, comme vous voyez, là, j'avais deux usines, deux bases, donc j'ai construit, j'ai formé deux infanteries. Là, j'ai un aéroport, et là, c'est le QG. Peux-tu nous rappeler peut-être un petit peu les persos disponibles? Donc, t'as infanterie de base, t'as infanterie bazooka. Oui, c'est ça, bazooka, tank moyen, tank lourd.
artillerie, lance-missile, toutes les choses classiques pour faire une bonne guerre, quoi, en fait. Voilà, après, il y a dans l'aéroport, il y a chasseurs hélico. Voilà, t'as des bombardiers, t'as des hélicos. Voilà. T'as... Enfin, sachant qu'il y en a certains qui pourront transporter des troupes. Voilà. Et ça transporte les troupes, les véhicules, etc. Enfin, c'est très complet, en fait, il faut vraiment l'utiliser avec stratégie. Après, il y a également les ports aussi, où il y a quatre types de navires. Le cuirassé, le destroyer, le sous-marin et la barge de transport également. Voilà. Sachant qu'on peut dire que le jeu a été créé par Intelligent Systems, oui. C'est ceux qui font les Fire Emblem pour être dans le même style. Où ils ont fait également les Paper Mario, les Pool Blocks récemment. Ouais. Mais c'est des spécialistes quand même de ce genre de jeu, donc ça se voit que c'est quand même très calibré. Il y a toujours une moyenne de gagner, mais aussi un moyen de perdre. On va dire, c'est vraiment un jeu qui demande de la réflexion pour jouer. C'est vrai que certaines maps, tu peux jouer plus d'une heure et demie, deux heures avant de réussir ta map. C'est bien, tu peux sauvegarder encore partie par contre. C'est des jeux très très longs, les Advance Wars, c'est très très bon. Tu connais un peu la série, Xavier, toi ? Moi, pas du tout. Là, je me dis, mais personne nous attaque, vous là. Non, bah non, parce que c'est les premiers jours. Donc, tu vois, là, il va capturer les bâtiments. Qui me permet d'avoir plus d'argent au final. Sachant que voilà, t'as des infanteries, toutes les troupes contiennent 10 troupes de base en fait. Du genre, ton infanterie, il y a 10 hommes, t'as 10 tanks, etc. Et les combats vont te les faire réduire ou augmenter. Enfin, te les faire réduire à chaque fois. Sachant que là, vu qu'ils étaient 10, ils pouvaient prendre les villes 10 par 10. Sachant qu'il te faut deux tours pour capturer une ville, c'était complet. Et par contre, si c'était que 4, il aurait sur les 20, il n'y aurait que 4 qui seraient descendus. Il aurait fallu beaucoup plus de temps. C'est vrai que tu peux te régénérer quand par exemple tu as une troupe de 2 ou de 7 ou de 9, enfin n'importe quoi. Tu peux te régénérer en te positionnant sur une ville que tu as à toi. Ça te régénère ta troupe. Mais c'est très très intéressant à jouer, c'est juste très long par contre. C'est super sympa. Et tu vois là qu'on commence vraiment à avancer dans le monde, donc on est dans le brouillard de guerre, et là c'est vraiment plus intriguant dans le sens où au fur et à mesure que tu avances, l'ennemi avance aussi. Mais tu le vois pas arriver. Tu ne sais pas où il est. Donc t'envoies des éclaireurs. Quelque part par là. Voilà. T'envoies des éclaireurs et parfois tu tombes dessus par hasard. Ouais. Et même des fois les éclaireurs ils voient pas partout, comme par exemple dans les arbres, et tu peux tomber dessus par surprise. Autre système stratégique en fait du jeu, c'est également tout ce qui est la gestion de combat, puisque tu vois le terrain n'est pas toujours pareil. Donc t'as la ville, t'as les montagnes, t'as la forêt là qui est ici. T'as aussi donc la plaine, sachant que quand t'es sur plaine, eh ben, tes ennemis seront en fait à égalité, en gros tu tires contre eux-mêmes. Sachant que t'as un avantage quand t'es le tireur que quand t'es celui qui se fait attaquer. C'est-à-dire en gros, t'es en 10-10 sur plaine normale, tu vas en tuer 6 alors qu'ils vont tuer 3 des tiens, tu vois, entre guillemets. Sachant qu'aussi par contre que quand t'es en ville toi et que tu te fais attaquer, tu auras un peu plus de puissance dans le sens où tu seras protégé par la ville. Du coup, tu seras moins susceptible de recevoir des coups. Donc tu vois, là, ils ont découvert un peu les infanteries ennemies. Sachant aussi que, par exemple, quand t'es en montagne, tu te déplaces plus lentement. Tu te déplaces plus lentement. Enfin, tu vois, chaque troupe a des possibilités de déplacement différentes. Des véhicules pourront faire des déplacements beaucoup plus longs d'un coup que des infanteries. C'est tout un aspect stratégique que tu apprends au fur et à mesure du jeu, parce que vraiment les premiers niveaux se font fils de didacticiel et ils sont très très bien faits généralement. Et ça, c'est pareil, c'est une série, là depuis justement Advance Wars, premier du nom, ils essayent un petit peu de faire suivre au niveau scénaristique. Mais là, c'est une série que tu peux très bien prendre, par exemple, bien commencer avec le 2 sur DS sans avoir fait les anciens, il n'y a pas de problème là-dessus. Surtout que le 2 sur DS il est complètement rien à voir en plus, autre série. Mais non, c'est un jeu vraiment très prenant. Après c'est sûr que pour un playen c'est pas forcément télégénique parce que ça donne... c'est mou. C'est compliqué mais tu apprends vite et c'est un jeu qui est vraiment passionnant. On va faire un petit combat, une baston, c'est rapide. Donc tu vois, donc il y en a un qui est en plaine et l'autre qui est en forêt. Donc j'ai une défense plus importante que... Ouais. Voilà. Mais sachant qu'en plus c'est un véhicule contre une infanterie, donc du coup il est encore plus... Là, je vais lui faire 50% de dégâts. Hop là. Voilà. Bah là, j'ai fait. Sachant qu'aussi, par exemple, quand t'as des canons, comme ça, ils ont une portée de tir plus puissante. Ouais, les zones rouges. Il peut shooter les infanteries, mais par exemple, s'il shoot l'infanterie, le problème, c'est qu'il serait susceptible de se faire attaquer par les tanks derrière. Et vu que c'est juste un véhicule mobile, il aurait un peu plus de complications. Tu vois, le véhicule en bas à gauche, c'est un véhicule de transport de troupes, par exemple, aussi. Ouais.
Non, c'est très bien foutu comme jeu. Après, tu vois, tu peux donc tu as des aéroports, des alors tu vois donc les bâtiments donc là la ville, tu as les usines qui permettent de créer de nouvelles de nouvelles troupes. Tu as les donc les aéroports qui permettent de créer des des avions, des hélicoptères, etc. Tu as des ports aussi pour créer des bateaux parce que tu as des combats marins, des sous-marins, etc. Et après derrière, surtout le principal c'est aussi de prendre des villes parce que c'est ça qui te rapporte l'argent justement pour pouvoir créer ces troupes. Sachant que bien sûr plus tu veux des troupes puissantes, plus ça coûte cher. Donc tu vois là ils étaient à égalité, mais sûr que niveau forcément vu que c'est lui qui attaque, des canons sont un peu plus forts que les pistolets. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un jeu qu'en fait on retrouve la patte Nintendo dans le sens où c'est très humoristique, au final c'est très BD, c'est très graphique, mais c'est, ça fait pas de cadeau quoi ce jeu quand même. Je pense que ouais, tu risques ça. C'est... Je vais protéger l'artillerie. C'est un tank contre un véhicule à mitraillette, quoi, en fait. Hop là, prochain tour. Mais c'est vraiment prenant. Hein. Après, peut-être que tu veux nous parler parce qu'il y a aussi des versions. Est-ce que tu as joué aux versions GameCube ou Wii de. Non, parce que c'était pas les versions un peu officielles, en fait. C'était pas des Advance Wars. C'était, mais ça restait dans la lignée, puisque c'était en fait. C'était spin-off de la série, quoi. C'était. Oui, mais t'y as pas joué du tout ? Non, pas du tout, non. Il paraît que c'est pas trop mal. Hein. Pour l'instant, moi j'ai que la version... C'est quoi, les Battalion Wars, c'est Battalion ça Wars, ouais. T'as pu essayer ça, Greg ? Non. Hop là, le tank, il aura pas fait long feu. Après, donc pour ceux qui sont intéressés, donc vous pouvez encore trouver pour pas trop cher les versions DS. Oui. Le premier du nom sur GBA est dispo sur... Et voilà, sinon, voilà, pour pas trop cher, pour 7€, vous avez le premier du nom sur GBA. Qui est d'ailleurs l'un des meilleurs, même s'il n'était pas encore complet par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il s'est amélioré avec des nouveaux véhicules, etc. depuis. Ah, je peux jouer, ça y est. Ah, c'est pas très facile pour toi non plus, dans le sens où tu as la ouais. manette GameCube, alors que la croix de la manette GameCube est pas top top. Infanterie, oui. Hop là. Alors on va voir si je peux m'attaquer à ça. Ou on va pas tenter. 2%, ouais, je pense que tu... Comme ça, mais le principal, c'est de protéger l'artillerie en attendant qu'il arrive. De toute façon, il va me détruire l'hélico, là, vu que c'est une DCA, donc c'est les défenses... Ouais. Anti-aérienne. Ouais, anti-aérienne, mais... Et donc, il va me détruire l'hélico, là. Hop là. Mais sachant que la DCA a quand même une portée très très longue. Non, pas la DCA. Ah non, c'est le lance-missile qui a une portée très longue. Là, en fait, tu peux m'attaquer que les cases autour. T'as le but et ton hélico. C'est efficace, hein. Ouais, c'est fait exprès pour les tanks et pour les unités aériennes. Tu vois, la terre envahie, là. Oui. Quelqu'un a piqué l'aéroport, en plus. C'est pas bon, parce qu'ils peuvent créer des... Oui, mais j'ai une base juste à côté, donc ça va pas te résister sur le temps. Toi, tu vas aller là. Alors, le petit tank là, tu veux pas lancer un peu plus vite? Non, il peut pas. En tout cas, c'est très intéressant à jouer comme... Ouais, c'est super, vraiment super sympa. Ok, ça t'a jamais donné envie tout ça? Non, c'est trop compliqué pour moi. C'est... ça manque de bouton A pour sauter. Je Nintendo, si tu nous écoutes. En tout cas, vous aussi, hein, donnez-nous dans les commentaires ou sur Twitter, hashtag PlayN, avec un petit point d'exclamation à la fin. C'est obligé, ça, le point d'exclamation? Ah oui, oui. n'hésitez pas à nous donner aussi un peu votre avis sur Advance Wars, si vous aimez la série ou pas, donnez-nous pourquoi dans les commentaires de PN. On lira ça avec attention. Ben, personnellement, c'est un jeu qui a fait acheter quand même des Game Boy, puisqu'il a des Game Boy Advance. Il a été très attendu, le premier. Il est sorti, oui. Il est sorti à peine 4 mois après la sortie de la console. C'était oui, en septembre 2000. Au début. C'était en septembre 2000. Et c'était le premier jeu en fait Nintendo de l'après-lancement, en fait. Bon, après, voilà, pendant l'été du lancement, on avait quand même Kourou, on avait F-Zero, et on avait et on avait Mario. Et au pire, on avait, si on voulait faire du Mario Kart Light, on avait... il y avait un jeu de style Mario Kart en fait de Konami où tu pouvais jouer je vois ce que ça veut. Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié aussi, c'était DreamWorks qui le faisait, mais très 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 réussi aussi. Hop là, alors le tank. Ouais,
Voilà, en tout cas pour cette Advance Wars, parce que là on entend encore faire un blanc, ça va être. On va les compter, on va les compter nos petits blancs. Allez, raconte ce que tu fais. Alors, déjà on n'avait pas dit l'objectif de la mission quand même là. C'est d'aller capturer le QG ennemi qui est juste là. Mais c'est l'objectif de toute mission en fait de récupérer. La plupart, non pas forcément, parce que dans ce nouvel épisode par rapport au premier, c'est qu'il y a des objectifs par exemple de capturer. De détruire des immenses bases ennemies en détruisant leur alimentation et choses comme ça, voilà. Ça, c'est la principale nouveauté de cet épisode-là. Ah, il y a un petit pompier qui va passer, là. Normal. Que seraient les émissions de PN sans les pompiers. Là, j'ai écrit un lance-missile, donc il a une plus grosse portée que l'artillerie qui est juste là. Mais tu ne peux te tuer que toi-même. Voilà, mais je vais le déplacer après, quand même. Et hop, là, on voit les portées des unités. Voilà, les déplacements, les... Ouais, c'est très stratégique, je peux dire au fur et à mesure que tu montes, après ça devient très très compliqué, tu peux vite être bloqué dans le jeu. Après on va montrer un autre aspect du jeu au prochain tour. C'est les pouvoirs, bah il va le faire avant moi. Ah bah voilà. C'est vrai que t'as des méga pouvoirs que tu accumules en fait. Voilà, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait. Chaque personnage du jeu ayant son propre pouvoir. D'accord, quel Lucien, je sais pas ce que c'est. En tout cas il essaie de me capturer ma base là-bas. Lui ça doit être un pouvoir de puissance à mon avis. Oui. Bah je me suis fait tuer, boum. Ah ça serait pas un pouvoir de faire de faire bouger une deuxième fois. Je sais pas. Ouais. De faire avancer une deuxième fois. Ah ouais, ça va pas se passer comme ça. Attends, bah on va aller regarder. Donc ah, voilà les pouvoirs chacun. Son pouvoir augmente de 1 du mouvement, tu vois. Voilà, donc là où t'avais les cases, ils peuvent descendre l'une en plus. Mmh. Et moi, les hélicos gagnent en puissance. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai un hélico. Allez, c'est parti pour le pouvoir de Valentin. L'attaque spaghetti. Hop là, donc c'est parti. Comme ça, c'est qu'ils ont plus de. Ah, ils m'ont enlevé un point de dégâts dans certaines unités. Oui, sachant qu'il y a parfois aussi un petit malus quand tu utilises des pouvoirs. Ouais. Donc toi, tu essaies de capturer ma ville, ça va pas se passer comme ça. Voilà. Ah! C'est pas de bol. Ouais, c'est vrai. Donc voilà un peu. Là, on a vraiment fait le tour un peu de tous les aspects du jeu. Ouais. C'est quand même un jeu bien prenant, bien long, bien compliqué, mais. Mais plaisant à jouer, ouais. Voilà. D'ailleurs, on va peut-être en rester là. Juste pour dire, donc on a un mode du joueur plutôt complet. Hein, donc, oui. Comme je dis, avec à chaque fois, même sur Game Boy Advance, même sur DS, la possibilité de jouer avec une seule cartouche. Oui. Un mode création de niveau très complet également. Ouais. Enfin, c'est vraiment de très grands jeux et on attend la version 3DS avec impatience. Oui, ouais. Qu'il y en ait un ça. Jour. Je pensais que ça allait être pour cette année, mais bon, ils vont annoncer un nouveau jeu. Oui, Codename Steam. Donc, ils ont dit par contre que ça empêcherait pas le développement de futurs Fire Emblem ou de. Voilà. Comme ça. Bah, je pense que Fire Emblem aura vite fait un nouveau développement dans le sens où, vu qu'il a tellement marché pour le dernier, il vaut mieux rester en faire un rapidement pour rester dans la hype. Ouais. Voilà, c'est la fin de ce play-in donc consacré à Advance Wars 2, la saga Advance Wars en général. Donc vous pouvez retrouver, donc, comme on a dit, le premier volet sur l'eShop de la Wii U pour 6,99€ sur Game Boy Advance. Voilà. C'est la fin de ce play-in. Merci messieurs d'avoir participé. Merci Xavier pour tes précisions techniques. Ah mais je vous incroyable. Là j'ai eu le sentiment de faire pot de fleurs. Bon, j'espère que ça t'a plu quand même. C'est vraiment pas mon style de jeu. Vraiment, je comprends pas du tout. On t'a même pas donné envie? Pas du tout. Ah bon bah c'est tant pis. Bon, en tout cas, pourquoi mentir? Une nouvelle fois, dites-nous un peu ce que vous pensez du jeu dans les commentaires de l'émission. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On se rendez-vous vendredi pour un nouveau jeu sur Wii U. On ne sait pas encore lequel. On le sait peut-être. Je sais plus. on verra bien. Ce sera un jeu Wii U. Hein. On va aller voir le grand tableau blanc. Voilà. Allez, bisous à tous. Ciao. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouveau numéro de Play-N. Salut messieurs. Bonsoir. Salut. Bonjour. C'est moi. Coucou. Je suis très content d'être là. Oh, je suis trop content.